Bon matin! Comme à l'habitude, je me suis fait mon déjeuner. Là, je suis partie sur ma pause smoothie bowl. Fait que c'est juste des fruits congelés, pas de protéines, yogourt grec, un peu de graines de lin, puis je mets sur le dessus des amandes tranchées. Avec mes blancs d'œufs avec du ketchup. Là, Louis, il y avait un appel avec un nouveau client ce matin. Puis on va voir, je sais qu'il a fini, fait que je peux aller le déranger. Puis là, il fait son programme en attendant, c'est ça? Puis là. Ça, en bref, j'ai un appel avec l'app. Oui! Puis je vais peut-être avoir mon app de coaching bientôt. Exact. Je suis un peu stressé. Là, faut que je fasse un programme avant, puis après ça. Mais là, présentement, on est sur un émulateur de golf. Il me dit, oh, tu sais quoi, je vais déjeuner plus tard parce que je vais faire mon programme live. Non, mais je suis stressé, mon amour, pour l'appel! Mais là! Ça va bien aller! C'est un pitch de vente. Ouais, j'avoue. C'est juste eux qu'il faut qu'ils travaillent, pas moi. Ouais. T'as raison, mon amour. Mais oui. Je t'aime. Moi aussi. Fait que là, je viens de terminer mon appel avec l'application pour laquelle je vais peut-être faire affaire avec pour le coaching. Ça va être beaucoup plus simple. Vraiment excitant, là. C'est drôle parce que eux, c'est des sales personnes, c'est des vendeurs. Puis comme moi, ayant travaillé dans le milieu de la vente, de voir les techniques qu'ils utilisent, puis là, tu les reconnais, puis t'es genre, OK, mais ça, c'est juste une technique de vente. Mais là, tu l'écoutes, puis tu play with it, fait que c'est quand même drôle, là. Mais non, c'était le fun. Puis ça a duré genre 45 minutes. C'était long quand même. Quand même, hein? Fait que c'est ça, mais à suivre, là, il y a rien de creux dans le béton. Je vais regarder l'offre, puis... Toi, t'as fait quoi? Toi, tu translates. Je translate sur mon... Ah, c'est ça que j'ai en parlé. Ah ouais? Ouais, on a parlé de toi un peu. Ah ouais? Ouais. C'est quoi? Il est présentement 11h52. Puis là, je me suis fait un genre de panini grilled cheese. Honnêtement, il est tellement bon, là. Le pain, il fait vraiment un grilled cheese. J'ai pris la dernière tranche de fromage suisse, par contre. Il en restait juste une. C'est alright. Toi, qu'est-ce qui se passe? Moi, je change d'édite. Après ça, je fais un reel. Après ça, je vais au gym. J'étais pas travaillé à Toronto, ça va vraiment être cool. Faut planifier ça ce soir d'ailleurs. Oui, c'est planifié dans mon horaire. Nice, j'ai ton planifié. Mm-hmm. Puis là, j'ai quand même fringale. Bon. Fringale. Lui, il snack depuis tantôt. Il essaie de se distraire de son travail. Tu devrais faire un clip, tout ça. Ok. Je m'en vais chercher mon petit frère, on va aller au gym. Puis... Moi, je vais aider, après ça, je vais aller rejoindre nos ongles à la maison, puis après ça, on va claquer des balles de golf, après ça, je vais au gym. Bam, bam, bam! Mais en tout cas, encore un mini vlog aujourd'hui, mais demain, là. Ça va être gros. Demain, le Toronto vlog. Vlog du Nord, là. Mm-hmm. Watch out. Update, j'ai été chercher mon petit frère. Et là, on s'en What's va up? Au gym. Anytime Fitness, faire un petit workout. Oh non! Ma bouteille d'eau vient de tomber. Alors, comment était le workout? Rough. Rough? Ouais, mal aux jambes, là. C'était quoi le plus dur, l'exercice? Honnêtement, je crois que c'est les triceps. Les triceps? Ouais. Tricep push down? Yep. Zach, il aime ça mettre lourd, il met 60 livres en partant. J'étais comme, stop with the ego lifting. C'est pas du ego lifting, là, c'est... C'est quoi? Je sais pas, je veux juste pousser à mon max, là. Mm-hmm. Non, mais ça sent bien, là, la shape, pas vrai. Je veux juste que tu pousses encore plus puis que tu manges tes protéines. Je sais. Mais en même temps, t'as juste 14 ans, c'est normal. Ouais. Alors là, on s'en va à mes ongles. Je vais appeler Louis à l'instant pour dire qu'il vienne chercher Zach à mes ongles. Puis qu'il aille golfer. Puis après ça, tu garderas la cam. Tu l'amèneras à Louis. OK. Alright. 25 minutes. Donc là, je reviens d'aller claquer des balles avec le petit Zach. C'est vraiment le fun. On a vraiment pogné une belle journée de soleil. Fait que je prends un peu de temps en même temps. Là, je vais m'adresser au YouTube. Puis où est-ce qu'on s'en va avec ça, nos vlogs à chaque jour? Je sais que des fois, ça peut être répétitif, nos journées. Mais c'est vraiment quelque chose de long terme, OK? Ce que je veux que moi et Ariane en fasse, c'est juste d'être discipliné puis d'être constant. T'sais, contrairement à nos réseaux, des fois, on a de la misère à poster chaque jour. Fait que YouTube, si on est capable de poster chaque jour puis de filmer chaque jour, ben ça nous ancre une espèce de discipline. Puis pour voir long term, guys, il n'y a pas personne que... Genre, Jeff Bezos s'est pas levé un matin millionnaire, MrBeast s'est pas levé un matin avec 300 millions d'abonnés. C'est juste de faire puis de pas arrêter. Même si pour l'instant, tu sais, on avait un decrease en termes de nos vues. Mettons, on postait une fois la semaine, on avait peur des 10 000 vues. Puis là, on poste chaque jour, puis on a comme du 3-4 000 vues. Fait que ça, c'est choquant, mais si on voit un peu plus loin que juste présentement, en tout cas, c'est un long-term plan, puis il faut rester discipliné. Fait que je suis désolé s'il y a certains d'entre vous que ben, vous trouvez redondant.
nous, on est tout le temps ouvert à des nouvelles idées, OK? Fait que des petits concepts, des trucs que vous voulez qu'on jase, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. On vous aime fort, puis on le fait. Nous, ce qu'on se dit, c'est si ça peut impacter une personne d'entre vous, que comme c'est votre comfort zone, vous revenez de votre job, de l'école, whatever, c'est l'été, il faut être en école. Ben, des fois, il y a des cours d'été, là. Shout out à vous qui avez des cours d'été. Fait c'est pas mal ça, là. C'était juste mon petit mémo. Puis là-dessus, on pogne un train. Ah, puis il a l'air vraiment lent d'ailleurs. Checker ça, la vitesse du train. Ah, il s'est arrêté. Nice. Ah, je pense que c'est une gare littéralement. Ah, les portes y ouvrent. Ouais, c'est une gare. Whatever, on se voit à maison. Update, j'ai des nouveaux ongles. Puis là, c'était pas ma fille d'ongles qui était là. Fait que j'ai eu son husband qui était pas aussi bon, malheureusement. Même lui, il voit la différence. De côté. Ils sont un peu plus épais. Mais bref, après ça, j'ai été. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, j'ai été au gym avec mon frère. Après, j'ai été faire mes ongles. Après ça, j'ai été chez ma mère à signer des papiers. Puis chercher un trépied. Elle avait un trépied. Fait que pour nos reels, c'est vraiment cool, là. Puis il est gros, il est steady. Ouais, parce qu'il y a un peu qui a mané. Fait que là, j'avais vraiment faim, j'ai pas... Parce que j'ai skip un meal, donc je me suis fait du saumon. Que là, je pense que je l'ai un peu brûlé, là. Je me rappelle plus comment faire du saumon, ça fait trop longtemps. Pan seared, donc dans la poêle. Mais anyway, la poêle, je vais pas la manger. Puis, je vais me faire avec du riz et des légumes. Et ensuite, je vais edit. Puis après ça, faut qu'on planifie Toronto, hein? C'est bon, moi avec! Qu'est-ce que tu veux dire? Faut aller chercher le premier ou... Non, avant! Que j'ai hâte quand même, hein? Pis t'as-tu hâte aussi de goûter au creamy? Ouais. Attends. C'est live. Je sais pas si. À notre session de. On leur dit. Ouais, des fois on saute. Comme on. Tu mets à côté, pis en tout cas. Faut que je le fasse un peu re-spin encore. Effectivement. Parce que c'est très granulé. Granulé. Go, go, go. Peut-être mettre. Non, pas un peu d'eau. Je vais le faire, je vais le mettre en sorbet. Sorbet. J'ai mis le céline sorbet. Ah. Mais il est différent. On va refaire un autre spin sur B. Moi aussi, j'ai vraiment hâte. Pour vrai, ça va faire du bien, là. OK. J'espère que ça va être good. OK. Mais c'est quand même texture. Mais c'est pas. C'est texture gelato. Ouais, mais c'est ça, ça doit perfect. Être. Perfect. Ouais. Donne-moi le bol, puis je vais en travailler avec ça. Check. Attends, go, go, go. Faut que je goûte. La goûteuse. Puis. C'est bon? Est-ce que t'es jalouse un peu? Je pourrais pas demander mieux. Ok, je vais mettre ça, puis je vais travailler avec ça, puis... À tantôt! Bon, on a officiellement booké. On vient de se faire un mini-meeting de genre 3 minutes. On a booké notre Airbnb. Donc... réservé, c'est full proche de Pure Muscle, où qu'on va aller. Puis là, j'avais vraiment un craving. J'ai pris ça. Popcorners! Je voulais les rouges, mais oui, ils ont tout mangé. Là, Louis est retourné edit le YouTube pour qu'on puisse vous poster quand même des YouTube quand on va être à Toronto. Puis moi, je vais edit mes TikTok pour les prochains jours. OK, mais on va aller se coucher. En fait, moi, je suis brûlée. Il est 9h30. Bon, faut que j'édite les vidéos avant demain. J'ai quand même procrastiné aujourd'hui. Mais ça va quand même être fait parce que je vais pas faire ça à Toronto. Demain, réveil. Quand même assez tôt. Moi, c'est 7h, genre. Ouais, moi 6h30 parce que j'ai préparé ma valise, des petits snacks pour la route, puis on s'en va à Toronto. J'ai hâte. À demain, guys. Bye.